Donc, je suis venu au nom du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Malick Ndiaye, procéder au lancement de cet important atelier qui concerne le projet de restructuration des transports en commun de l'agglomération de Dakar. Il s'agit d'un important projet. Comme vous le savez, le BRT a été lancé donc dans sa phase de mise en circulation commerciale depuis 2 semaines et le train express régional est fonctionnel depuis 2 ans. Donc cet important projet arrive pour être articulé à ces 2 systèmes de transport. Donc il s'agit d'un projet structurant qui va permettre de restructurer de façon globale le réseau de transport en commun dakarois. Ça va concerner toute la région de Dakar, toutes les communes. Et dans sa première phase, donc qui était l'objet de cet atelier, donc 14 lignes seront restructurées. Donc avec 400 bus qui vont fonctionner au gaz, donc qui sont plus respectueux de l'environnement. 2 dépôts modernes seront construits à Wakam et à Kermassar. Des milliers d'emplois seront créés et évidemment des kilomètres de routes seront aménagés à des standards élevés. Donc c'est dire qu'il s'agit d'un projet structurant. Donc je transmets mes encouragements aux études, mais aussi à l'Ageroute, mais aussi remercier les bailleurs, les partenaires au développement. L'objectif du gouvernement est de faire des opérateurs privés nationaux, des opérateurs en tout cas qui respectent les standards internationaux en matière de transport. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, il y a un volet important d'accompagnement et de remise à niveau.